Olivier Robert avec nous, un bon moment après beaucoup de boulot. Olivier, on est à Moscou, un petit peu de touriste. Un Grand Prix de Russie qui était un petit peu particulier. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Grand Prix de Russie, ce long voyage ici? C'est vrai que le voyage était un petit peu long, mais on a trouvé une belle piste sur un sol qu'on ne connaissait pas trop. En fait, c'est plutôt du limon que du sable. Donc, dans le sud de la France, il y a des endroits où on roule sur du limon. Et c'était particulier à rouler, voilà, mais il fallait quand même un pilotage au sable pour pouvoir être devant. Alors tu es venu avant tout pour suivre les jeunes de l'Europe, parle-nous un petit peu d'eux ce week-end. Oui, bah Maxime Després a une casse mécanique en première manche, autrement il pouvait faire 4 comme il l'a fait en deuxième manche. Robin a fait une belle première manche, en partant loin il a remonté 7 et il a chuté en deuxième manche. Arnaud Aubin avait la vitesse aux essais, il a pris des mauvais départs, il n'a pas su prendre un bon rythme, donc il a fait deux manches courageuses. Et Adrien Escoffier poursuit son apprentissage, on va dire, sur des circuits qu'il n'a vraiment pas l'habitude de rouler. Bon, on en vient à Mix 1, Mix 2, globalement un bilan relativement décevant pour les Français. Il y a Jordi qui a tiré son épingle du jeu, Dylan, Valentin n'ont pas trop mal roulé. En MX1 on reste un peu sans date fin, non? Jordi a confirmé tout le bien qu'on entend de lui en gagnant en plus le samedi dans des conditions vraiment difficiles sous la pluie. Dylan a vraiment une bonne pointe de vitesse. Je pense qu'il a montré des belles choses pour l'an prochain. Valentin a fait une rentrée courageuse. Sans oublier Romain Fèvre qui nous a fait quelques figures à certains moments, mais qui est toujours bien courageux et qui se défend bien. Et en MX1, j'aurais pas cru que Christophe roule comme ça. Donc il a fait deux manches bien, quatrième, vraiment dans la roue des premiers. Il lui manque un petit peu d'agressivité, on va dire, au moment où, lors des duels, pour éviter de se faire doubler, puisqu'il était en tête de la deuxième manche. Et Gauthier était décevant. Xavier aussi un petit peu, et Sébastien avait une douleur aux côtes qui l'a empêché de rouler en deuxième manche notamment. Alors il y a 3 mois, on va parler des nations, on peut pas éviter d'en parler. On disait ça va être compliqué, embarras du choix avec les perfs que faisait Gauthier, que faisait Steven qui s'est blessé, que faisait Christophe. Aujourd'hui on se dit peut-être un petit peu souci, c'est vraiment physique Lomel pour l'instant, il faut qu'il se ressaisisse un petit peu, non? Non, ce que j'ai vu ce week-end, ça c'est sûr que si j'avais un choix à faire, à proposer en ce moment. Je ne sais pas lequel je ferai encore. On va attendre l'Europe, c'est dans un peu plus d'un mois, voir comment chacun se ressaisit et prépare l'Europe, puis les nations à suivre. Donc en fonction des motivations de chacun, je proposerai une équipe ou voir plusieurs possibilités auprès de la fédération. Voilà. Je suis pas de tout chamboulé. Au dimanche soir, là, à la limite, pourquoi pas tout chambouler, mais on va attendre l'IRO pour voir chacun dans les vraies conditions stables et puis la motivation et la condition physique qu'ils auront à ce moment-là. Ouais, tu disais, c'est leurs 5 semaines, encore le temps, ils ont le temps de rebondir, de retravailler, de retrouver des pistes un petit peu plus peut-être à leur convenance, parce que la boue, la pluie, ça mine quand même le moral et ça nuit un petit peu à la vraie valeur des choses, non? Ouais, enfin ça mine le moral de tout le monde, mais quand on voit Keroli, des Dikers ou de Sol, l'envie qu'ils mettent à rouler, ils sont comme les autres, hein, ils ont roulé dans la boue et l'envie, ils en montrent sur la piste. Donc affaire à suivre et on va attendre l'Europe. Merci Olivier, on se retrouve bientôt. Bonne fin de séjour en Russie. Merci.